Tu veux que je parte de là, c'est ça? Oui. Les amis, il y a Darwin qui me poursuit. Oh. Hey les gens, c'est Norm, d'aller vous aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Alors les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, les amis, nous allons tout simplement essayer d'appeler Gumball. Mais les gens, pour ceux qui savent pas, à l'heure actuelle, il est vraiment très très tard. Il est actuellement 3h du matin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas appeler Gumball et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, avant que je l'appelle par téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers chez lui, voir déjà s'il est à la maison. Parce que s'il est à la maison, bah je vais pas aller l'embêter, je vais le laisser dormir. Mais s'il est pas à la maison, ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'appeler. Donc du coup, c'est parti. Hop, je vais prendre mon caddie pour aller chez lui. Donc du coup les amis, si... Non, vous savez quoi, on va y aller en volant, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc du coup la maison de Gumball, c'est la maison verte. Donc les amis, je vous ai pas dit, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence la vidéo. Et surtout à mettre un maximum de pouces bleus. Aujourd'hui, objectif tout simplement 2 pouces bleus. Je compte sur vous pour qu'il y ait seulement 2 pouces bleus et vous vous en mettez pas plus s'il vous plaît. Donc juste 2 pouces bleus, voilà. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Aujourd'hui, je fixe comme objectif que seulement une seule personne s'abonne. On va voir si vous tenez l'objectif. Et du coup, c'est parti, on va directement dans le caddie. Et hop, on va aller voir Gumball. Alors du coup, Gumball, donc ça c'est la maison de Gumball comme vous vous en rappelez. Et du coup, bah c'est parti, hop. Ok, donc déjà, bon signe, il y a la voiture de Gumball qui est là. Donc c'est... Donc, attends, je vais juste l'arrêter par contre. Donc c'est possible que s'il y a la voiture de Gumball, qui est Gumball aussi dans la maison. Donc du coup, c'est parti, je vais toquer. Déjà, ça répond pas. Ok. Ah oui, ça c'était le piège que j'avais créé, vous vous rappelez, avec Gumball. Ok, donc du coup ça répond pas. Y'a personne qui répond, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la chambre de Gumball, voir s'il est là. Et bah s'il est pas là les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'appeler par téléphone. Ok, donc du coup normalement la chambre, on va voir déjà ici. Ok, donc y'a personne là. Normalement la chambre de Gumball elle est là-dedans, donc est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, y'a personne. Ok. Ça a l'air d'être assez bizarre, on va aller fouiller un petit peu toutes les chambres. Et s'il y a personne qui répond les amis, on va aller appeler Gumball. Mais apparemment les amis, d'après ce que j'ai entendu, Gumball va être vraiment très effrayant, je sais pas pourquoi. Mais apparemment il va vraiment être super effrayant. Donc du coup c'est pour ça que je vais aller regarder un petit peu avant partout, dans toutes les chambres, s'il est pas caché quelque part. Alors est-ce qu'il est là-dedans? Non. Peut-être là-dedans? Non plus. Là-dedans non plus. Alors là franchement les amis, je sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être, hein. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être. Donc du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est que vous savez quoi, je vais sortir de la maison. Non, on va... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de regarder l'étage. À l'étage, c'est vrai qu'il y a aussi un petit étage sympathique, à des trucs à visiter. Non, il est pas là. Ah, c'est bizarre les amis, franchement, je sais pas où est-ce qu'il aurait pu se mettre, Gumball. Bon, vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors. Donc tac, hop, on va casser par là. Et on va remettre bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est parfait, c'est nickel. Du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement maintenant appeler Gumball. Donc j'espère qu'il va répondre. Donc tac, tac, tac. Hop, le téléphone, où est-ce qu'il est? Il est où? Il est où? Il est là. Ok, donc du coup c'est parti, je vais mettre en haut-parleur. Donc mettez-moi un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important. Ok, donc là ça téléphone. Allô? Oui. Gumball, c'est toi Gumball là? Gumball. Oui. Oula, ça va, pourquoi t'es malade? Oula. Gumball, ça va? Oula, il y a des bruits bizarres là. Oula les amis, il y a des bruits super bizarres. J'ai l'impression qu'il y a Gumball qui est en train de tousser là. Qu'est-ce qui se passe? Gumball, ça va? Oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? J'ai l'impression qu'il y a Gumball qui est en train d'attraper Gumball, il est avec un enfant, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire mal à un enfant, je crois. Gumball! Allô Gumball? J'entends pas Gumball, tu parles ou quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a Gumball là? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien? Ok Gumball, bon t'es où là juste maintenant là? T'es où? Réponds. Au McDo. T'es au McDo et tu fais quoi au McDo? Je mange. Tu manges quoi? Des nuggets. Ah ouais, ok, je vois. Bon, vas-y Gumball, je vais te laisser tranquille, ok? Vas-y, bisous. T'es sûr? Pourquoi je suis sûr? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr de vouloir me laisser tranquille tout seul? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te tuer. Comment ça, tu vas me tuer? Quoi? Gumball, ça va? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux me tuer? Je t'ai fait quoi? Parce que tu viens de m'appeler alors que j'étais en train de manger mes nuggets. Ok, je raccroche. Bon les amis, vous avez vu, il y a Gumball qui veut me tuer apparemment parce que je l'ai appelé parce qu'il mangeait ses nuggets. Ok, bon, vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au McDo.
Excusez-moi, on va aller au McDo du coup, je sais pas s'il va être au McDo ou pas, donc j'espère qu'il y sera. En tout cas les amis, ça me fait super peur les amis, vous avez vu, il y a Gumball qui est en train de me menacer, qui est en train de me dire ouais je vais te tuer, moi j'ai super peur, j'ai pas envie qu'il me tue quoi en vrai. Donc du coup c'est parti, on va directement à la direction du McDo, donc tac, attends. On va aller. Donc si je me rappelle bien, le McDo les amis, il est vers là-bas. Donc direction McDo, c'est parti. Alors le McDo, il est dans une... Bah je crois qu'il est juste là. Ouais, c'est juste ce qui est là. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc du coup c'est parti, direction McDo qui est juste là. Ouais, c'est bon, je le vois, nickel. Ok, bon, on va aller au McDo, on va voir du coup si Gumball est là. Et s'il est pas là les amis, c'est-à-dire qu'il est tout simplement rentré chez lui. Et qu'à mon avis, il me prépare un sort. Donc du coup c'est parti, je vais aller voir les gens. Et du coup bah à tout de suite. Ok, donc du coup les amis c'est bon, je suis au McDo là à peu près. Je sais pas si Gumball est là. Bah apparemment il n'est pas là, ok d'accord. Donc je sais pas où est-ce qu'il aurait pu partir. Ah ok, donc on a un mec du McDonald's. Donc bonjour monsieur. Ouais, c'était pour savoir en fait il est où à peu près Gumball là. Bah il est parti, il m'a dit qu'il est rentré chez lui. Ah bon, déjà? Ouais. Ok bon bah d'accord. Sinon vous avez pas un menu Big Mac là en ce moment? Ouais, j'ai ça, si tu t'en veux un là maintenant? Ouais, pourquoi pas. Ok, par contre ça fera 20$. Ah ouais, mais monsieur, j'ai pas 20$, moi je suis pauvre. Bah casse-toi alors, casse-toi. Ok monsieur, d'accord, ok. Ok, le monsieur du McDo, il a l'air d'être un peu méchant en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Bon bref, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup re-rentrer à la maison de Gumball. Parce qu'apparemment les amis, Gumball est à la maison. Alors là maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. J'ai un peu peur en vrai, parce que comme vous avez vu, il y a Gumball qui est complètement énervé contre moi. Et du coup c'est parti, direction la maison de Gumball. Alors où est-ce qu'elle est? Déjà je la vois, c'est bon, elle est là-bas. On va y aller les amis, on va y aller, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il a. Et puis voilà, ok, donc du coup est-ce que déjà il est là-dedans? Je crois que oui, ok, je vois déjà plusieurs voitures. Ok, donc du coup les amis, ce que je vais faire c'est que je fais une coupure et à tout de suite. Ok les amis, donc du coup c'est bon les amis, je suis devant la maison de Gumball. Donc tac, on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe du côté de là-bas. Donc du coup je l'ai appelé comme vous avez vu, il n'a pas répondu, il s'est rien passé du coup. Donc c'est parti, hop, on va redéposer le truc là. On va aller voir du coup s'il n'y a pas un truc là-bas. Bah là il n'y a rien de spécial là. Est-ce qu'il y a encore le poison qui est activé? Non. Oh, il y a Darwin. Oh bah tiens, il y a Darwin. Salut Darwin. Darwin? 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 Mec, t'es là? Oh, Darwin? Non? Qu'est-ce qu'il y a, Darwin? Tu veux que je parte, c'est ça? Bah, tu veux que je fasse quoi alors? Quoi, pourquoi tu me mets un coup d'épée là? Tu veux me tuer ou quoi? What? Les amis, y'a Darwin qui veut me tuer, mais what the fuck? Non, Darwin, me tue pas, s'il te plaît. Mais d'accord, tu me tueras pas, hein? Hein? Comment ça, non? Tu veux me tuer? Tu veux que je parte de là, c'est ça? Oui? Les amis, y'a Darwin qui me poursuit! Oh, ok, ok, ok. Bon, les amis, je sais pas qu'est-ce qu'il a, Darwin, les amis, mais. Ce que je vais faire, c'est que vous savez quoi? Les amis, je vais aller me cacher dans la maison en face et on va voir du coup qu'est-ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait, les amis. Je vais me mettre là. J'espère qu'il va pas me cramer. Tac, je vais me mettre là et je vais regarder de dehors s'il fait pas un truc de bizarre. Tac, ok. Bon, quoique de là on voit pas trop. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever les trucs de laine là parce que ça nous cache la vue. Parce que moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il fait, Darwin. Tac, ok, donc du coup voilà. Voilà, là c'est beaucoup mieux, je pense. On va casser un petit peu ici aussi. Voilà, là c'est bon. Là du coup on peut bien voir ce qu'il y a, on peut bien voir ce qui se passe. On va re-rentrer, on va refermer par là. Ok, donc du coup là on peut voir si Darwin il est là ou pas. Alors qu'est-ce qu'il fait, Darwin? Qu'est-ce qu'il fait? Bah là je le vois pas pour l'instant en tout cas. Oh, regardez les amis, il est en train de sortir de la maison. Alors je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est en train... Non, mais dis pas qu'il est en train de prendre... Les amis, il y a Darwin qui est en train de prendre le caddie. Non, il va vers moi. Oh, non, viens pas. Non, viens pas. Non, il m'a vu. Non, je crois qu'il m'a vu. Je vais aller là. J'aurais dit par là s'il m'a vu, mais je crois les amis qu'il m'a vu. Hein. Oh, non, s'il te plaît, me vois pas. Les amis, je crois vraiment qu'il m'a vu, je sais pas pourquoi. Attendez. Je vais attendre de voir s'il passe par là. Oh, il a ouvert la porte, je crois. Il a ouvert la porte. Oh, il est là. Je me casse. Oh putain, les gars, il y a Darwin qui est là. What the fuck? Mec, vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi, les amis? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-rentrer dans la maison de base. On va rentrer dans sa maison. Et vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la piéger. Comme ça on va voir comment il va réagir quand il va rentrer. Donc du coup là, comme vous avez vu là, quand on fait des trucs comme ça, et bah il y a de la...
il y a du poison qui se met. Mais nous on va faire notre truc, du coup les amis, en dessous d'ici, on va mettre des TNT comme ça, en fait, dès qu'il va rentrer dans sa maison, et bah les TNT vont exploser, et à mon avis ça va totalement le faire péter un câble, les amis. Ou quoi qu'on pourrait même mettre ouais non, vas-y, on va se laisser sur des TNT, donc déjà on va piéger une bonne partie de la maison, et après les amis, du coup, on va voir comment il va réagir quand il va rentrer chez lui, vu que comme vous avez vu, il a l'air d'être vraiment énervé, il a l'air d'être bien en colère, quoi. Du coup, tac, on met des TNT partout, c'est bon, nickel. Voilà, comme ceci. Hop là, donc j'en ai mis vraiment partout les amis. Et maintenant il n'y a plus qu'à en mettre une ici là. Une juste là. Et ça va tout exploser d'un coup. Alors je sais pas si j'en mettrai pas. Ouais, quoi. On va continuer à piéger les amis. Tac. Et du coup les amis, hop, voilà. Tac. Bon, là les amis, normalement. Oh non, ça commence déjà à exploser. Non, ça explose déjà. Merde. Oh bah. Mince les amis, ça a déjà explosé. Oh punaise, là je crois qu'il y a Darwin qui va être en colère contre moi là. Là je crois que Darwin il va vraiment être en colère contre moi, ok. Bon du coup les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir si Darwin y réagit. Je vais attendre de voir comment Darwin réagit. Du coup voilà les amis, donc ce que je vais faire, c'est que on reprend la vidéo tout de suite, à tout de suite. Bon les gens, au final Darwin, je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais je crois qu'il a quitté la map parce que je le vois plus. Bref, donc du coup bah on va s'arrêter là pour la vidéo et les amis, on se retrouve demain normalement pour la suite de la vidéo, tout simplement on ira piéger Darwin. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tous les nouveaux, à bombarder cette barre de pouces bleus. Et sur ce je vous dis à demain 10h, 11h ou 17h pour une vidéo. Allez, ciao ciao.